Là, il y a win. Mais il y a deux portes de la win hein, sur 5 mètres. D'accord. Pas de soucis les gars, faites-vous plaisir. Je sais plus tout où est le château, mais je crois que c'est celle-là plutôt. Il y a des drapeaux et tout. Qu'y a-t-il? Hey, salut Bongo, bienvenue sur Backel Live. Vous avez le compte, répète. Taisez-vous. Comment se passe? Eh bien, la porte. Je vais faire ce que vous me demandez. Bonjour, chevalier. Et ben moi ça va bien. On fait de l'oblivion. Et on se rapproche petit à petit de la fin. On aura bientôt réuni tous les alliés. Il nous reste plus qu'une ville à libérer. La ville de Chedinal. Et une fois qu'on aura fermé la porte d'oblivion de Chedinal, on aura fini de sauver chaque ville. Il ne restera plus qu'à finir la quête principale. Et après se diriger vers la fin. Bonjour. Comme toujours, je... Le comte Indaris nous a ordonné... des choses terribles. Jusqu'à ce que nos chemins se... PM, c'est la nuit, donc il faut que je dors. Je n'ai pas le temps de dire. Ma première responsabilité va à l'encontre des gens de Chedinal. Avec une porte d'Oblivion ouverte juste de l'autre côté du mur, je ne peux pas. Je ne vous le dirai pas. Dites ce que vous avez à dire. Merci, que c'est gentil. Assez, vous me faites peur. Bien sûr, c'est mignon. J'en doute. N'essayez pas. C'est pour moi, ça me va. Oui, c'est une maison plutôt typique de Chedinal. Mon... Oh, désolé. Prenez soin de vous. 15 000 or. C'était marqué 6 000. Putain de bande d'escrocs, quoi. Je me suis fait cambrioler. Forgeron, il est là. Bonjour. Si c'est cassé, je peux m'en occuper. Jetez un œil. Vous ne trouverez...
Vous avez... C'est un plaisir. Vous aussi. Je me suis fait voler. Borbagra. Jetez un œil. Vous ne trouverez pas de meilleur prix dans tout Amriel. Excellent. Vous êtes... Vous avez fait une excellente affaire. Vous avez gagné... Je fais toujours... Chut. Arrête de parler, t'es désagréable. Cela me semble... Et puis très franchement, ce que t'as à dire, j'en ai rien à foutre. C'est une bonne... Cela me semble... C'est plus que ce que je paie d'habitude. Vous avez fait... J'ai plus de potions de soins. C'est plus que ce... Faut que je retrouve des potions de soins. C'est un prix. Cela me semblait être un prix. Poisson de garde, aussi. Lumière vire. Plume, ça peut servir. C'est un plaisir. Au revoir. Bienvenue. Ceci est un bar. Ça ne me dérange pas non plus. Regardez ce que j'ai à vendre. Il y a forcément quelque chose qui vous plaira. Vous aussi. Faut que j'aille en ville. Je vais aller chez moi pour vider mon sac parce que j'ai beaucoup trop de cœurs de Dédra. Chaque cœur de Dédra pèse 2 kg. 2 x 40, ça nous fait 80. J'ai déjà 80 d'équipement juste avec elle, quoi. Azura. C'est ça, 40 cœurs de Dédra. Rien que ça. Ouh, plume 125, ça c'est bien ça. On va poser fatigue 50, on va poser intelligence. J'aimerais bien poser le plume.
Boubou léger, on va l'appeler. C'est mon boubou et qu'il est léger. J'ai oublié de poser les cailloux. Ah, on a un niveau à level aussi. Sérieux, on va le prendre avec nous en oblivion, il va mourir et il va nous laisser tranquille. Hein. Moi je vous le dis. Hein. Je voulais pas en arriver là, mais... On va être obligé. Oui, on... Bon. Je voulais pas en arriver là, mais il est chiant. Et j'en ai marre de l'entendre. Un pas de plus. Ah ouais, le troll, c'est le fanboy. Ouais. Aminus répond. Aucun qui s'appelle Aminus. Il est tout chelou cet Oblivion. C'est la première fois qu'on en a un comme ça. En plus, il est tout buggé visiblement. Je pense que graphiquement, le jeu il est au bout de sa vie là. Ah mais du coup le bouclier est pas équipé là. Mais t'es con. Yeah.
Il était temps que quelqu'un finisse par arriver. Pourquoi ? Qui suis-je ? Je m'appelle Farwi Lindaris, fils du comte Andel Lindaris de Shadinhal. Le blessé, c'est Bremann Senyal. Nous faisons partie des chevaliers de l'épine. Nous avons juré de protéger Shadinhal de toute... Je suis... J'ai moi... Mais maintenant, avec vous ici, nous pouvons emporter la pierre sigillaire de cette citadelle et accomplir notre mission pour le... Avez-vous perdu la raison ? Un chevalier de l'épine ne... À présent, au nom... Nous sommes des chevaliers. Beaucoup. Jusqu'aujourd'hui, nous... La voie est libre. Même si... Je suis sûr que vous aimeriez entendre ce qui s'est réellement... Peu de temps après l'ouverture de la porte, Farwil a décidé qu'une attaque s'imposait. Nous avons chargé à l'intérieur et n'avons pas tardé à nous heurter à une certaine résistance. Non, une résistance dans l'oblivion ? Non, pas possible. Nous avons été abattus dans la première vague. Nous avons perdu deux autres hommes dans... Au retour... Notre chemin a été bloqué. Si un contingent de la garde de la ville nous avait accompagnés, la pierre sigillaire aurait peut-être pu être à nous sans encourir trop de pertes. La garde de la... C'est peut-être de notre... Allons-y. Seriez pas un peu pauvres, les gars ? Elle est où mon épée ? Elle est cassée ? Ouf. Est-ce que vous ne voulez pas mourir ? Non. Mais vous êtes sérieux ? Le mec s'est suicidé du pont, quoi. Ah, il est mort dans la lave. C'était censé m'impressionner. C'est là que vous vous effondrez et que vous vous videz de votre souffle. Ah oui, j'avais pas équipé le bouclier. Sérieux, ça me fout les nerfs quand ça se passe comme ça. Comment tu veux prévoir un truc pareil ? Bah, il vient pas le petit blondinet ? Moi je voulais qu'il meure en oblivion, mais s'il vient pas, il va pas mourir. Allez, crève, boulet là. Du coup, maintenant, il faut que je fasse attention à ce que l'ennemi s'approche pas trop du pont, pour que lui s'approche pas trop du pont.
Explose-moi la gueule. Il était temps que... La voix est... Même si... Juste... Allons-y. Il a tellement pas l'air plus sensé que son pote, l'autre, là. C'est pas grave, t'as rien loupé, mon ami. Le chevalier est allé se suicider dans la lave, du coup j'ai recommencé. Non, non. T'es censé m'impressionner. Même si... Allons-y. Passez devant. La voie est libre. Passez devant. Ok, j'ai pas trop compris comment, mais... Ils ont survécu. Mais en fait, ils peuvent pas survivre, c'est pas possible. Les mecs se rapprochent beaucoup trop de moi. Je peux pas leur dire de rester là. Passez devant. Là, passez devant. Je vous en prie, continuez. La voie est libre. Passez devant. J'ai déjà affronté des gens de race plus redoutables que vous. Je suis de votre côté. C'est pas possible, il va pas survivre jusqu'à la fin, c'est pas possible. Ce qu'il faudrait, c'est que j'aille acheter un... C'est que j'aille acheter un sort de guérison sur les potes. Je sais que ça existe. Je sais aussi que j'en ai jamais acheté. Et ben on ramènera son petit doigt. Ça ira bien. Hein. Je vais pas essayer pendant 10 ans de le sauver. Et toi, tu veux pas mourir là? Oui, ô puissant grand. Bon. Ah non, mais j'aurais bien aimé le sauver quoi. Par les pattes, c'est un ordre.
Et à partir d'ici, les ennemis vont être un par un. Genre, ça pouvait pas être le cas avant, quoi. Je crois que je viens de réussir à me débarrasser du gamin. Parfait. C'est pas de ma faute, hein. Il m'admirait tellement, il est venu avec moi dans l'oblivion. Bah, prions pour qu'il soit mort, ouais. En tout cas, il est plus avec moi. Mais il n'y en a pas un qui porte les gants, quoi.
On est presque à la fin. Putain, ça aurait pu tellement bien se passer si l'autre il était resté à sa place, quoi. Salut. Pam 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 pam. Et une tour de plus en moins. Vous avez réussi. C'est une journée bien triste pour... Je vais rester ici. Quel dommage. Quel sou... Le comte Indaris attend. Il attend quoi? Son fils est mort. Oh, la différence maintenant que j'arrive à porter les armures. Regardez comment je vais vite. On est un ninja là. Mais je vous le dis, vu la vitesse de mon perso, je traverse les cartes en 5 secondes. Et là, c'est avec une armure lourde. C'est Sangoku quand il courait quand il était jeune. Avec les bras en arrière. Ouf. Oh bah le fanboy est resté dans l'oubli. Il semblerait en effet. Pour mon plus grand plaisir. C'est un plaisir. Je sais bien. Je me doute. Vos actes ont été consignés. Merci de votre compassion. Vous êtes vraiment une noble âme. Merci. Vous méritez vraiment toutes les... Tout bien réfléchi, gardez-le. Vous avez été le dernier à voyager avec lui et je pense... Je ne vous permettrai pas de refuser. Je vous remercie de la part de... Je n'oublierai pas le service que vous avez rendu à Shedinal. Je ne vous en veux pas. Puisque la menace immédiate envers Shedinal est désormais anéantie, je vais... Bonne journée. Bim. Et moi, je suis tellement content que le fanboy soit mort, quoi. Tu te rends pas compte combien il était chiant, hein. Mais vraiment.
Oh, elle est où mon armée là? Pourriez-vous m'accorder un instant? C'est urgent. Oui, homme de l'âme. Qu'est-ce qui vous préoccupe? C'est Martin. Sa sécurité, je veux dire. Je ne sais pas si nous faisons assez. C'est le dernier de la lignée des sorties. Bonsoir, monsieur. Que puis-je pour vous? L'aube mythique ne... Puis... Hélas. Bonne chance, mon ami. Ne prenez pas de risques inutiles. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Une ancienne relique du... Après la bataille de San Cretor, les lames ont construit un sanctuaire dans les catacombes de San Cretor. L'armure n'a jamais... Mais personne n'a visité... Sacré tour. Dieu. Vous allez dire, on peut y aller en courant aussi. Et je vais tellement vite, j'ai peur de plus pouvoir m'arrêter. J'ai peur de me faire mal. À force de faire le malin. Oh putain, si je me balance un sort de plume. En plus, on est bien chargé là. On va dans une région que j'ai très peu visitée. Je suis jamais passé par là en fait. J'aime bien, il y a toute une partie du pays ici aussi où j'ai pas foutu les pieds. Allez Billy, j'ai confiance en toi. Tu peux y arriver. Pour rappel, pendant mes vacances, je vais faire du Dark Souls, Demon Souls, Dark Souls 3 en théorie. Du coup, si vous voulez que je joue des types, des archétypes spéciaux, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai un Stropole dans pas longtemps.
Du coup, vos idées les plus folles, hein, mettez-les en place. Sachant que Demon Soul n'a pas de Cestus, je crois. Je crois pas me tromper en le disant. Je me rappelle pas avoir vu de Cestus, en tout cas dans Demon Souls. Après, s'il y en a, je serais le premier ravi d'essayer. Même si je suis pas très doué pour ce genre de choses. Un troll. Il est tellement rapide. Il réussit à marcher sur des murs. Je crois que j'ai monté mon talent d'invocation au maximum. Invocation niveau 100. Et bah il est très très bien équipé ce bandit hein. Ça va être du bandit de compétition quand même. Hey, salut Zeddy. Ah mais Zeddy, je t'ai ban pour une raison précise hier. Je te bannerai pas tous les soirs. Je verrais bien une run DS3 à l'arbalète. Ça a l'air chiant en fait. Je veux bien essayer, mais déjà je suis pas très doué, mais alors si on essaye de le faire à l'arbalète, j'ai peur que ça soit pas très probant. En plus on commence par Demon Soul, hein. On commence pas par Dark Souls 3. Mais... ça c'est un autre problème. Mais bon, si tu penses que Dark Souls 3 à l'arbalète, ça peut être fun. Mais ça a l'air très chiant. Puis je crois qu'il y a déjà eu une run à l'arc qui a été faite par Exerv. Je l'ai pas regardé encore, mais je crois qu'il avait fait une run à l'arc. Oh. Ah, ils m'ont silence, quoi. Elle est où la liche? Je t'avoue que là, je regardais les vidéos de Exerv avec... comment il s'appelle déjà? Putain, j'oublie toujours son nom. Enfin, je regardais que les vidéos que Exerv va faire récemment, ils ont fait une... ils ont fait une petite partie de Demon's Souls, Dark Souls. Là, ils sont sur Dark Souls 2, je crois. Enfin bon, je regardais ça, et du coup, ça m'a redonné envie de rejouer au jeu. Je t'avoue aussi que j'ai joué à Demon's Souls pendant les 24 heures du live et ça m'a donné aussi envie de jouer au jeu. Mais on va commencer par Demon's Souls et Dark Souls 1. Oh.
Ah non, mais j'ai compris après, hein. C'est pour ça que je t'ai unban, Zeddy. Pas t'en vouloir, hein. Je devais être en colère, il y avait de la chaleur. Je suis pas de très bonne humeur en ce moment. Je me fais tellement violenter par ces fantômes. Et j'ai jamais l'air énervé. Ça se sent juste dans la façon dont je vais réagir aux gens, en fait. Genre là, je suis agacé, par exemple. Déjà parce que j'ai pas sauvegardé après toute la route que j'ai fait. Et surtout parce que je suis con, quoi. Hey, salut à ma mamazie. Comment tu vas? Putain, mais mon personnage est devenu tellement rapide maintenant qu'il peut porter les armures lourdes. C'est un plaisir. Hey. Ça te dit qu'on discute dans un coin d'arbre? Prenez soin de vous. Je suis KO, je rentre du taf. Ah. Eh ben courage, mon ami. Ça, c'est cool de venir juste pour dire bonjour. Ça fait toujours.